Bonjour, je voudrais parler aujourd'hui de la visualisation. En fait, je ne sais pas si tu pratiques quelque chose comme ça, mais ça aide vraiment sur plusieurs niveaux. Peut-être que tu en as entendu parler. Moi, j'ai ma compréhension bien personnelle de cette visualisation que je pratique. Donc, pour moi, visualiser quelque chose, c'est simplement fermer les yeux et voir que tu es déjà en train de faire ce que tu penses actuellement, peut-être impossible, ou en train de vivre et de sentir, d'entendre, d'être déjà à l'endroit où tu voudrais être, peut-être dans 2 ans, dans 1 an, dans 10 ans, on ne sait pas. Est-ce que tu connais ça? Quand tu as des choses comme ça dans ta tête, oh, j'y arriverai jamais, je suis nulle, ça n'arrive qu'à moi. Les discours de ce genre qui se répètent dans ta tête, ou est-ce qu'aussi dans ta vie, tu as des choses qui se répètent, des situations qui se répètent dans les relations? Tu as eu une relation, le problème se représente dans la prochaine, et dans la prochaine, et dans la prochaine. Et des choses qui sont récurrentes dans la vie. Eh bien ça, souvent, c'est vraiment lié aux croyances, à ce qui se passe, la programmation dans ta tête. On ne va pas toujours courir chez les psys. Quand on a le moindre petit problème, bien sûr, tout le monde ne le fait pas non plus, mais les visualisations, telles que moi je les pratique, me donnent vraiment un bonheur intense et vraiment comme si j'étais déjà dans cette situation. Donc imagine-toi si tu as une situation où tu te dis, mais j'y arriverai jamais. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut bien être pour toi. Pour moi, par exemple, ce serait que je n'y arriverai jamais de me coucher tôt. Je suis quelqu'un qui se couche tard et c'est mon grand combat pour le moment, mon challenge pour le moment. Je vais y arriver. Donc, ce que je pourrais faire à ce moment-là, quand ma tête me dit, bah, Gudrun, tu n'y arriveras jamais, et puis après, ça culpabilise, etc., je peux faire une visualisation. Qu'est-ce qui est le but? Le but, c'est de sentir combien je serais bien si je faisais ça. Donc, ce que je recommande pour les visualisations, c'est pas simplement s'asseoir, fermer les yeux et voir comme si je me vois me coucher à une certaine heure. Hein. Je pourrais me visualiser que je vois qu'il est 10 h ou 11 h et que je vois que je vais vers mon lit et je me couche. Ouais. Mais ce que je fais en plus de ça, c'est que d'abord, je m'échauffe. Je parle, je vais dire, je suis heureuse, je me sens bien. Il est de me coucher tôt. Ouais. Et c'est une phrase, donc tu t'élabores ta propre phrase et tu la répètes à haute voix. Tu répètes cette phrase. Et puis quand tu sens, quand tu peux à ce moment-là commencer à fermer les yeux, donc tu répètes cette phrase, fermer les yeux. Et quand tu sens, quand tu vois l'image de cette situation où dans laquelle tu n'es pas, mais dans laquelle tu voudrais être, à ce moment-là, tu commences à te sentir comme ça. Et tu fermes les yeux et tu ne parles. Tu parles à l'intérieur. Et après, quand le cerveau s'est calmé, normalement là, à ce moment-là, tu sens une sorte de quiétude arriver, une sorte de bonheur arriver, quelque chose qui se relâche, quelque chose qui lâche prise. Et plus tu vas répéter ça, plus tu vas pratiquer ça, plus ton être profond va croire que ça y est déjà. Et puis les choses vont changer. Donc, c'est une technique très simple. Il suffit de 5 minutes par jour. Moi, par exemple, si je suis pressée le matin, si je dois être dans le train, je m'assieds, mais personne ne sait ce que je suis en train de faire. Bon, à ce moment-là, je ne répète pas ma phrase à voix haute, hein. Mais personne ne sait que je ne suis pas en train de dormir, mais en train de visualiser cette situation que je voudrais qui arrive. Ce qui est super important dans la phrase que tu dis, c'est que tu parles à l'instant présent. Et tu ne parles pas en négation. Donc, tu ne vas pas dire je ne veux plus me coucher tard. Ouais, tu vas dire je me couche tôt, ou encore beaucoup mieux, je me couche à 10 h 30. Ouais, donc précis, positif, dans le présent. Comme ça, ton inconscient, il va pouvoir t'accompagner là-dedans. Si tu crois à des guides ou à je sais pas tout, tu peux les inviter. Tu peux les inviter. Si tu crois à Dieu, tu peux l'inviter dans cette énergie. Ouais. Donc, je te recommande ça très fort. Moi, j'ai commencé à faire ça dans ma vie. J'aurais déjà dû commencer beaucoup plus tôt, mais on ne sait pas faire tout en même temps.
Et à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose que tous les jours, je pratique pendant 5 minutes. Et je sens comment quelque chose à l'intérieur accepte et comment quelque chose à l'intérieur relâche. Donc voilà, ça c'est mon conseil pour aujourd'hui. Intègre la visualisation par petites gouttes dans ta vie. Tu peux le faire partout. Et je te souhaite une bonne journée. Au revoir.